Alors voici la partie 2 du vidéo pour le jailbreak du iPod Touch 2e génération au firmware 2.2.1. Alors pour la première partie du vidéo, si vous ne l'avez pas vu, vous devez cliquer en haut en ce moment ici, whoops, juste en haut ici, sur le lien ici, pour la partie 1 du vidéo pour savoir comment jailbreaker. Bon, mais pour la suite du vidéo, voyez ici périphérique USB non reconnu. C'est normal, même si votre iPod Touch ne réagit pas tout, c'est normal, c'est fait pour ça. Alors, ce que vous devez faire maintenant, c'est fermer iTunes. Alors, je m'en vais fermer iTunes. Et là, vous devez aller dans le dossier iPod Touch 2G Jailbreak. Et vous devez cliquer sur Boot. Double-cliquer sur Boot ici. Et voilà. Une fois que vous avez double-cliqué sur Boot, vous appuyez sur Entrée. Et là, ça recommence comme l'étape qu'on a faite tantôt. Alors là, il faut mettre notre iPod Touch en DFU, au mode DFU mode. Alors, on va faire ça tout de suite. On regarde, on prend son iPod Touch. Même s'il n'est pas allumé, on ne l'allume pas, on ne touche pas. On appuie sur celui du bas 2 secondes, celui du haut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche celui du haut jusqu'à temps que notre ordinateur réagit grâce à nos speakers si on l'entend, nos haut-parleurs. Et voilà, on peut le relâcher. Je vais reprendre la caméra. Et voilà, iTunes va s'ouvrir, va vous apparaître des messages. Vous allez dire OK, ici OK. Et vous allez fermer iTunes en haut à droite. Alors, je ferme iTunes. Bon. Une fois que ça c'est fait, ici, dans l'écran noir, vous appuyez sur Entrée. Votre iPod doit être normal. Là. Il ne faut pas que l'écran soit allumé. Il faut que ce soit en mode DFU comme tout à l'heure. Alors, j'appuie sur Entrée. Oups. Entrée. Et transfert des fichiers. Parfait. C'est comme un peu comme tantôt. Alors, là, ça veut dire de débrancher son iPod Touch. Alors, on prend son iPod Touch. On le débranche pendant 2 secondes, 1, 2, et on le rebranche. Là, il devrait avoir un écran blanc, comme tout à l'heure. Et voilà, un écran blanc. On ne touche pas notre iPod Touch. Là, on le retourne ici. Oups, c'est vrai, iTunes va s'ouvrir. Alors, on le referme. Alors, on dit OK, et on le referme. Bon. Une fois que ça s'est fait, on appuie sur Entrée. Enter, c'est-à-dire. Là, ça dit, faites encore Entrée. Et là, vous devez faire droit de la souris, coller, si vous n'avez pas fait d'autres copier-coller. Alors, pour être sûr, allez dans votre commande ici, dans le dossier, dans le fichier commande, pardon, ouvrez-le, sélectionnez tout, faites droit de la souris, copier. Faites-le deux fois pour être sûr. Baissez-le, baissez ça aussi. Allez ici. À côté de iPhone 5$, vous allez faire droit de la souris coller. Alors on le laisse transférer. Ça va travailler quelques secondes. Jusqu'à temps que ça soit marqué slash exit. Et voilà, vous voyez slash exit. Faites entrer. Et là, ça va dire, ben, refaites une autre fois entrer. Et là, il transfère d'autres choses. Là, on va faire le go et le exit. Alors, on fait entrer. Et là, on va écrire Go. Alors, G-O. Entrée. Et voilà, il se referme. Il se réouvre. Et vous cliquez barre oblique. Ben, vous tapez, pardon. Barre oblique. Exit. Là, vous devez fermer iTunes. Encore une fois, je le ferme. OK, fermé. Et là, vous appuyez sur Entrée après avoir écrit barre oblique. Exit. Et là, vous faites encore Enter. Et voilà. On refait encore Enter. Là, vous devez taper Go. Barre oblique. Exit. Et voilà, après avoir tapé Go, Enter, Exit, vous allez voir votre iPod Touch, refaites Enter,
l'écran va se fermer. Et voilà, c'est là qu'on va voir si ça a fonctionné. Notre iTunes le détecte. Ah oui, c'est vrai. Il y a ça qui va vous apparaître. Alors, quand ça, ça va être ça. On attend qu'iTunes s'ouvre. Et voilà, iTunes s'est ouvert. On attend juste son signal. Et voilà, iPod, en gros milieu. Là, vous allez faire configurer comme un nouvel iPod en haut. Vous allez faire continuer. Et là, vous tapez le nom de votre iPod. Alors, iPod. iPod Touch. Je fais plein de fautes. Is a Pro. Bon. Enfin, iPod Touch Is a Pro. On décoche les deux. Mais moi, c'est ça que je vais faire parce que je veux pas que ça synchronise pour le moment. Et je fais terminer en bas à droite. Et c'est là. Et voilà. iPod, iPod Touch is a Pro 2.2.1, tout. On voit notre iPod et voilà, fermé. Et voilà, nous voilons. Pardon. On voit si dur. Alors, je vais juste me connecter à un réseau sans fil. Alors, Wi-Fi. Je vais juste me connecter. Et voilà, rejoindre le réseau. Et voilà, je me suis connecté sur mon réseau. Et voilà, je suis connecté Wi-Fi en haut à gauche. Il est jailbreaké. Vous avez un iPod Touch 2e génération jailbreaké. Alors, je vais ouvrir Cydia. Ça devrait fonctionner. Là, il va faire le reorganizing. Alors, on laisse juste se réorganiser. On laisse travailler juste un petit peu. Vous pouvez tout fermer, là, les dossiers commandes, tout ça, là. Commande encore une fois, on le ferme, on peut fermer ça, on n'a plus de besoin, supprimer, non, supprimer rien, pardon, faites juste fermer. Et voilà, il restart le Springboard. Je vais juste remettre ça ici pour enlever la lumière. Et voilà. Je déverrouille. Et voilà, on a Cydia. Là, il devrait s'ouvrir comme sur des roulettes. Et voilà. Là, ce que vous devez faire, c'est dire qui vous êtes. Ça dépend, là. C'est. Moi, je choisirais le dernier si vous voulez. Le premier en haut, c'est User Graphical Only. C'est-à-dire, c'est juste pour ceux qui ont des. Qui veulent des applications qui s'ouvrent. Le deuxième, c'est des hackers, c'est-à-dire des command lines, c'est-à-dire des commandes. Admettons, télécharger son iPod Touch, etc. Puis le dernier, c'est developer, puis c'est no filter, c'est-à-dire, ça, peu importe. Alors, je vais cliquer sur le dernier. C'est ça que je vous recommande pour vous. Alors, là, il download les data sur mon réseau. Reloading data encore. Et voilà, j'ai Cydia. Alors, je vais installer une application, par exemple, pour faire un test. Ils me disent de faire des mises à jour. 5 mises à jour. Je vais le faire plus tard. Admettons que je vais aller installer une application. Admettons. Je sais pas moi. DTunes. Je l'installe. Install confirm pour vous prouver que ça fonctionne. Et là, il télécharge de mon router qui est juste ici. À côté de moi. Et voilà, il s'installe à partir de Cydia. Vous n'avez pas installeur comme je vous dis là, installer. Puis de toute façon, Cydia il est bien meilleur. Alors je fais return to Cydia. Je quitte les Cydia. Et voilà, je vois DTunes Terminal. Mais là, il m'a installé Terminal parce que j'en avais besoin. Et admettons que j'ouvre DTunes, il fonctionne. DTunes, juste comme ça, il permet de télécharger de la musique directement sur iPod Touch sans passer par iTunes. Il passe par le Wi-Fi. Alors, c'est ça, vous avez jailbreaké en iPod Touch 2e génération, fais-moi 2.2.1. Alors, vous voyez, 2e génération, les boutons sur le côté, tout est correct. Alors, c'est ça, comme je vous ai dit dans la première partie du vidéo,
À chaque fois que vous allez redémarrer votre iPod Touch ou iPhone, vous devez le réactiver le jailbreak. Ça ne va pas supprimer les applications que j'ai déjà installées. Alors, pour faire cela, pour savoir comment, c'est simple. Ben, on l'a fait tantôt, mais j'ai fait une autre vidéo ici en haut. Cliquez ici pour savoir comment, à chaque redémarrage de votre iPod Touch, admettons, je le redémarre, puis là, je la rallume. Ça va me faire un écran blanc, mais je ne pourrai pas l'allumer. Mais il faudra activer le jailbreak, alors il faudra le brancher et tout. Alors, allez voir cette vidéo-là pour que j'ai faite pour qu'il vous montre comment procéder.